C'est déjà quelque chose d'assez, en tout cas extraordinaire pour moi, d'être déjà de retour sur le terrain, de retour à l'entraînement et de pouvoir déjà être en compétition. C'est vrai que c'est arrivé très très vite. Oui, je suis contente d'être de retour, j'arrive pas à y croire, et en même temps, ok, mais c'est pas une fin en soi, et qu'il y a encore tellement de travail et il y a tellement de choses voilà, à améliorer et progresser pour ne serait-ce que remporter un set ou un match. Le chemin est encore très très long, mais en même temps la motivation est là, l'envie est là. Donc voilà, je suis contente de pouvoir déjà au moins jouer quelques tournois sur cette fin d'année 2019. Je crois que j'ai joué ici. On m'a dit là il y a 17 ans, donc c'est déjà assez extraordinaire de me dire qu'on revient sur un endroit 17 ans après, donc ça me fait vraiment, j'ai l'impression d'être vraiment très très vieille maintenant. Mais oui, le tableau est déjà très relevé, c'est vrai qu'on joue des tournois, des items justement pour gagner des points, pour essayer de gagner des matchs et progresser au classement, mais c'est vrai que lorsqu'il y a un tableau où tu as des joueurs dans le top 100, tout de suite ça rend le jeu un petit peu plus difficile. Mais d'un côté, je m'aspire à ça aussi. Le but est de retrouver le plus haut niveau. Et donc, ça passe par jouer contre les meilleurs. Et c'est vrai que sur ce tournoi de Poitiers en fin d'année, il y a une très très grande concurrence. Il n'y a que des bonnes joueurs.